j'en ai marre de rester dans cette prison. Quand est-ce que ce clown va nous laisser sortir? Tiens. Alors les détenus, voici votre petit déj du chocolat. Mangez bien, mes amis. Bon, les gars, je comprends que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Attendez, là, voilà. Et j'ai pris le plus petit, le Milky Way. Écoutez, monsieur le clown gardien, nos abonnés ont déjà mis 100 000 likes entiers, quoi. On a vraiment envie d'être libre. D'accord, il faut vérifier. Je vais consulter mon portable. Waouh, vous avez vraiment 100 000 likes. Alors, je vais vous laisser sortir. Attendez une seconde. Voilà, ça s'ouvre. Alors, on pouvait ça avant ou quoi? Non, on ne pouvait pas faire ça avant. Abonnés, merci beaucoup que vous avez mis ces 100 000 likes sous la première vidéo, parce que quand les clowns nous ont mis ici, ils ont dit que quand il y aura 100 000 likes sous la dernière vidéo, ils nous laisseront sortir. Il faut que vous ayez au moins 100 000 likes. Vous avez mis 100 000 likes et on peut rentrer chez nous. Les gars, et ça c'est quoi ces clowns? Pas de précipitation, mes chéris. Nous voulons jouer à cache-cache avec vous comme les clowns de la dernière fois. Les autres clowns nous avaient prévenus la dernière fois. Alors là, peut-être mes amis reviendront un jour jouer de nouveau avec vous. Apparemment, c'est la deuxième partie des cache-cache extrêmes dans les boîtes de ces clowns. Regardez, il y a un clown astronaute et un chien. Nous voulons aussi jouer avec vous. Expliquez-nous les règles et allons-y. Les gars, j'espère que vous vous souvenez des règles. Ici, nous avons juste un tas de boîtes et nous avons 3 clowns qui vont nous attraper. Chaque clown a une façon différente de trouver les participants, mais chacun a 10 essais. Alors cachons-nous dans les boîtes et faisons en sorte qu'ils ne nous trouvent pas. Moi je pense que le plus intelligent serait de se cacher plus près de juste la porte là. Alors moi les gars, je me cacherai dans cette boîte et ouais regardez, hop je vais disparaître et c'est parti. Au fait les gars, si vous mettez sous cette vidéo 100 000 likes, et je suis sûr que vous allez le faire, nous allons faire encore plus de vidéos sur les clowns et les cache-cache, même peut-être dans un magasin fermé pendant 24 heures. Bon, ok. Les gars, je suis vraiment heureuse que nous ayons été libérés. Pendant qu'on était en prison, j'ai trouvé des endroits intéressants pour se cacher et ils ne me retrouveront jamais. En tout cas, ma première idée c'est... Viens, je vais vous montrer. C'est une boîte comme celle-ci. Je l'ai retournée et je l'ai placée contre le mur. Je l'ai fait pour aller d'une boîte à l'autre parce que c'est pratique et qu'on peut voir où se trouve le clown. C'est pour ça que je me cache ici aujourd'hui. Et si je me cachais en plein milieu? Parce que si je me cache dans un endroit évident, ils me trouveront jamais quoi. Bon, je vais vérifier cette idée. On va essayer. Hop là! Alors, je vais être le meilleur. J'ai une arme secrète, mon chien fidèle. Les gars, ce clown est accompagné d'un chien. Je vais la laisser se balader maintenant. Et moi, je vais me reposer tranquillement. Ce n'est pas juste. Elle va trouver tout le monde maintenant. Chien courir d'une boîte à l'autre, mince! Je crois qu'il m'a trouvé! Hein? Oh putain, on dirait que le chien a déjà trouvé quelqu'un là-dedans! Je vais casser la croûte pendant que mon chien cherche! Je crois qu'il est parti, tout va bien les gars! Je crois qu'on m'a pas trouvé! Tu as mangé mon sandwich? Alors bon, allons chercher les gens. Cherche! Allez, c'est parti! Cherche! Les gars, ce chien vient droit vers moi! Et en plus, je suis dans la boîte rouge! Et en plus, elle est vachement visible! Et si la couleur rouge attire l'attention du chien? Les gars, faisons-le! S'il vous plaît, changez la couleur de ma boîte. C'est très facile à faire.
Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sous la vidéo et de rendre le bouton rouge s'abonner gris. Et alors la couleur de ma boîte changera et je serai moins visible pour ce chien. Ok, chronométrons. 5, 4, 3, 2. Appuyez sur le bouton rouge. 1. Oh, elle a directement changé de couleur. Merci beaucoup. Quoi? Où vas-tu? Allez. Ils sont là, ils sont tout prêts. Il y a quelqu'un ici, je l'ai trouvé. Quoi? Il n'y a personne. Bon, on poursuit les recherches. Cherche. Quoi? Maintenant là? Là? Ils sont là? Ouais, t'es sûr? Personne! Mais comment se fait-il? Qu'avez-vous fait? Pourquoi est-ce que mon chien ne me retrouve plus? Mais c'est pas grave, j'ai un deuxième secret pour vous. Voici mon deuxième secret. C'est un requin. Je vais l'utiliser pour retrouver tout le monde. Ce clown n'a plus de chien et il risque de ne pas pouvoir retrouver tous les autres. C'est mon requin préféré. Je la mets pratiquement partout. En fait, vous savez les gars, elle a encore plus de chance avec ce requin. Au moins, il s'enfuit pas comme ce chien, ouais les gars. Alors, on va aller chercher. J'ai toujours de la chance avec ce requin. Je suis dans la boîte verte au cas où. Je suis sûr à 100% de trouver quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Je pense que c'est mon intuition qui m'aide. Allons voir. Il a vraiment un vrai requin dans les mains ou quoi? Quoi? Personne? J'ai encore du mal d'écouter. C'est probablement la première et la dernière fois que je choisis une boîte aussi étroite. Il est impossible de s'y asseoir. Qu'est-ce que tu dis? Hein? La suivante? Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Le verre là-bas? C'est qui là? Je vais te trouver. Toc toc, je t'ai retrouvé. Mais c'est à vous que j'ai parlé, que je suis dans la boîte verte, les gars. Pas ce clown. Mon requin est sûr que tu es là. Je lui ai fait toujours confiance. Ouais. Non, je t'ai trouvé. Non. Ce clown a chopé Bruno. Allons-y. J'ai perdu. Putain. Allez, rentre. Tu ne sortiras pas d'ici maintenant. Mais il commence à faire très chaud dans cette boîte, vraiment. William Bruno vient de se faire prendre. Qu'est-ce que tu as avec ta tête, clown? Je n'ai aucun problème. Je suis vétérinaire. Il faut sortir de cette boîte. De toute façon, je suis grillé dedans. Les gamins, c'est tellement frustrant de perdre. C'est le premier tour et ils m'ont trouvé en premier, quoi. Comment peut-on être aussi nul? Mon téléphone se décharge et il faut que je me promène avec une batterie comme un con, quoi. Mon requin préféré. J'avais dit qu'avec elle, c'était sûr. Les gars, j'ai réussi à me cacher de nouveau. Je vais te retrouver maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Celui là-bas, le jaune? Tu es sûr de toi? Voyons, voyons, t'es sûr? Il est juste derrière moi. Je stresse énormément. Ah, personne? Ah, mais pourquoi? T'es sûr? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Je crois que je sais pourquoi. Quelqu'un était là et a couru dans l'autre. C'est à 100% sûr. Mais ce n'est pas juste. Mais je te trouverai quand même. Où es-tu? Ah, peut-être que tu as couru vers cette boîte jaune. Ah! Oh, il est juste ma mère. Bon, je suppose qu'il est trop malin, celui-là. Le rouge. Les gars. Bon, celui-là, peut-être. Allons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Voyons voir. Je t'ai trouvé. Allez, 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 toi. Sa fille, je t'ai trouvé. Viens avec moi. Moi, j'ai plus de chance que sa fille. J'ai une grande boîte. Et s'il commence à la lever d'un côté, je pourrais m'échapper. Ils t'ont trouvé aussi, hein? Ouais, mais au moins, tu n'as pas été trouvé en premier, toi. Moi qui disais, mon requin et moi, on va attraper tout le monde. Les gars, c'est un putain de clébard. Bah, moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai vu que ce clown ressemblait à un putain de chien. Je crois qu'avec mon requin, ça marche une fois sur deux. Mais c'est pas grave, nous n'avons pas eu d'entraînement depuis longtemps. Quoi? Le bleu comme ta couleur? Plus clair? Allons voir. C'est là. Coucou. Qui est là? C'est vite.
Mais comment c'est possible? Un rang vide! Bon, c'est pas grave. Ne me trahis pas. Il reste encore 2 essais. Les gars, si vous voulez encore plus de vidéos avec des clowns et des cache-cache, mettez sous cette vidéo 50 000 commentaires. Et nous ferons un 3e épisode de cache-cache avec des clowns dans des boîtes. Qu'est-ce que tu dis? Le rouge? Laquelle? Le grand ou le petit? Ah, le grand? C'est lui là? C'est le bon là? Alors, qui avons-nous là? Qu'est-ce que tu dis? Il y avait quelqu'un là? C'est là que Aline se cachait! Mais où aurait-il pu aller? Allez, on y va! Il nous reste une chance! Nous devons le trouver! Tout droit? D'accord! Je vais où? Je comprends pas! Celui-là? Tu es sûr? Eh bien, cherchons-le! Il est vide! Je croyais qu'Arichna avait été là-dedans! Encore personne! J'ai épuisé tous mes essais! Il n'a plus d'essais, lui! C'est comme ça qu'on va t'avoir! Compris, chat ivrogne? Safik, ça va, toi? Les gars! Dans ce tour, ce clown n'a trouvé que Bruno et Safik! Et Alina et moi, nous sommes en train de nous introduire, donc le jeu continue! Et toi, tu disparais, compris? Mon requin m'a trahi! Il a disparu, Safik! Quelle voix je dois prendre? Celle-ci est trop grande, mais elle est sans doute pratique pour se cacher. Mais je pense que ce clown va ouvrir les grandes boîtes parce qu'il est lui-même le grand, le clown. J'ai donc décidé de prendre cette boîte jaune près de la mur jaune. Et comme ça, il ne regardera jamais là-dedans. Vous avez déjà vu un clown cosmonaute? Il faut choisir une boîte. La dernière fois, je me suis caché dans celle-ci et je dois dire que c'est aussi inconfortable que possible. J'arrivais à peine à tenir dedans, mais les grosses boîtes droites ne sont pas non plus une option. Cette grande boîte est la meilleure. Je ne choisirai pas le rouge car nous savons qu'il attire beaucoup de monde. Je choisirai plutôt celle-ci. Tout d'abord, si vous regardez de ce côté, elle est aussi étroite que la rouge. Mais regardez, il y a tellement d'espace. Bon. C'est plus confortable, bien sûr. Bon, les gars, maintenant je vais me choisir une boîte et ça va être super. Hop, celle-là, les gars, elle est jaune parce que moi j'adore le jaune. Et l'horloge m'a montré cette boîte. C'est celle que l'homme m'a dit de choisir. Et ouais, je vous jure, ma tactique est simple. Alors sortons dans le 15, numéro jaune. Les gars, on n'a pas beaucoup de temps, alors je me cache ici tout de suite. Allez. Bonjour les gars, je suis le clown spatial. Oh maman, le clown de l'espace. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous lancer des fusées en fait? Je suis allé 3 fois sur la Lune et 14 fois sur Mars. Pas possible, sur Mars. Je suis sûr de gagner aujourd'hui. Je vais trouver ces farceurs et les mettre en prison. Les gars, regardez ce que j'ai pris avec moi. J'ai scotché mon téléphone pour ne pas faire trop de bruit. J'ai une tactique spéciale! J'ai apporté un blaster de la planète Mars! Je vais l'utiliser aujourd'hui pour chercher et vous prouver que ma tactique est la meilleure! Alors là, c'est un clown qui a vraiment de l'expérience! Il faut porter un casque pour tirer du blaster! Sinon, l'impact sera trop fort! Intéressant! Je me demande si la boîte est vide ou non. J'aimerais bien vérifier. Je ne peux pas la prendre. Il y a un obstacle. Oh, j'ai une petite fente là. Regardez juste là. Je peux voir à travers en fait. Qu'est-ce que c'est? Arista, je t'ai trouvé. Mes amis, nous irons ensemble à la prison avec la boîte. Attendez. On y va. Ce cosmonaute volé Artyom Arishnev. Maintenant Arishnev va aller en prison quoi. Allez hop. Je t'avais dit que mon blaster fonctionnait. Je vais choisir une nouvelle boîte et tirer dessus avec mon blaster. Pas dans ma boîte s'il te plaît. Le blaster m'a dit que cette boîte
il a un blaster de haute technologie. Il pourrait certainement nous battre avec. Je suis très attiré par la couleur rouge aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Hey, intéressant. Vite. Le blaster m'a trompé. Je me trompe rarement. Eh ben c'est pas grave, j'ai encore 6 essais entiers. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce clown cosmonaute a pu m'attraper si facilement. Il a l'air de trouver tout le monde avec son blaster. Soyez prudents les gars. Zut, Artyom n'a pas eu de chance. Il s'est fait prendre par ce clown cosmonaute. Mais on est nombreux maintenant. On est 3 et ce clown est que seul quoi, ouais. Harry, je t'avais déjà attrapé, il reste 3. Je pense que je peux m'en sortir facilement. Où êtes-vous, Michi? J'entends Alina, elle est juste là. Où vous cachez-vous, Michi? Pensez-vous pouvoir échapper à mon blaster? Je ne vois personne pour l'instant. Le blaster me donne un signal. Il me semble avoir repéré quelqu'un à proximité. Nous devrions aussi tirer. Pourquoi est-ce qu'on se fait toujours attraper avec toi? Mais on t'attrape toujours et tu le fais avec tout le monde et pas moi du tout. Tout l'espoir repose maintenant sur William Bruno et Safik 1, 2, 3, 4. William Bruno ne se fera jamais prendre, je sais où il est assis. Je suis heureux qu'Alina croit en moi. J'espère que vous croirez aussi en ma victoire, les gars. Il pète tellement que je l'entends d'ici. Et les autres ne peuvent pas se cacher. Ah, je ne vois rien. Oui, ça fait qu'un, deux, trois, quatre. Et William Bruno, pistolet, donne-moi. Non, ne demande pas sur toi ce pistolet, il sait tout, lui. Ouh, Blaster n'a plus d'énergie. Mais ce n'est pas grave, j'ai un super casque qui était avec moi sur Mars. Il est équipé de plusieurs capteurs infrarouges et auditifs qui captent toutes les vibrations. Je vais le mettre et voir. Merde, ce clown, il est en train de tricher. Il va nous trouver rapidement avec ses technologies minces. Oh non. Wow, la box est intéressante. On devrait y jeter un coup d'œil. Il n'y a personne. Son casque ne marche pas du tout. Ça veut dire qu'il ne trouve pas toujours sa proie. Mais j'ai aimé. Je vais réessayer encore une fois. C'est parti. Maintenant les gars, on va essayer de s'échapper à ces capteurs par une méthode de malade. Vous allez voir ce que ça va être trop bien. Ouais, c'est sûr que je vais trouver quelqu'un. C'est ça les gars. Je me suis cassé dans cette faisceau radio sur mon t-shirt, et ouais, parce que le sweatshirt ne transmet pas de faisceau radio, il ne devrait pas pouvoir me repérer. Et oui, là, il n'y arrivera pas. Tu as failli nous coincer avec cette boîte. Les gars, ce clown est vraiment cinglé. Je ne comprends pas. Il pourrait briser ses barreaux avec cette boîte. Et nous partirons ici en courant pour aller nous cacher ailleurs. Les gars, on ne sait pas où était ce clown cosmonaute. Il a peut-être été infecté par un virus extraterrestre. En plus de la pression de l'espace. Mais c'est pas grave. J'ai encore 3 essais. Tiens, on fait ma chemise. J'espère que mon casque va fonctionner quand même. Parce que là, je sais pas, c'est la merde. Je peux plus rester dans cette boîte. Il fait trop chaud sur mon sweatshirt. Regardons la couleur jaune, celle que je préférais avant. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Ça fait que 2, 3, 4, te voilà pris. Range ton téléphone. On y va. D'accord, prends-le. Joue avec tes jouets préférés. Quel jouet tu parles? Allez. Il a attrapé presque tout le monde. Non, mais cette technologie l'aide beaucoup dans ses recherches. Déjà 3.
Les gars, je suis choqué. Il ne reste plus que William Bruno. Ce clown cosmonaute a trouvé tout le monde. Les gars, vraiment, j'aurais dû enlever mon sweatshirt. Car il ne me serait pas passé les faisceaux radio. Et dès que je l'ai enlevé, hop, il m'a trouvé. C'est une merde, c'est la merde. Je suis vraiment trop con, mais de toute façon, c'est pas grave, ce jeu est débile. Alors regardez pas ce truc. Le sweatshirt, j'ai compris. Sa fille m'a dit que ce pull ne transmettra pas des ondes radio qu'émet ce cosmonaute et que j'aurai une chance de jouer justement. Il ne pourrait pas utiliser son casque, alors je cacherai mon visage derrière ce pull. J'ai déjà attrapé 3 personnes. Je suis le leader de ce jeu. Les autres clowns sont comme Mars. Essayons le rouge, le gras, comme William Bruno. Je suis sûr qu'il est dedans. Ah, raté. Ouh, le dernier coup qui reste. Il ne faut pas se tromper. Oui, ils vont gagner, mes petits gamins. Clown, tu veux un indice? Il n'y a pas besoin de lui donner un indice. William Bruno est dans une boîte comme la Terre. Alina, pourquoi as-tu donné un indice à ce clown? La Terre est bleue parce qu'il est composé à 70% d'eau. Je suis astronaute, j'ai volé, je sais. Vous ne me tromperez même pas. Je croyais que la Terre était verte. Je suis dans une boîte verte, moi. Il faut donc une boîte bleue. Oh, c'est loin, très loin. C'est bon, on va y arriver. Raté. Ah, il m'a pas trouvé. Il m'a pas trouvé, ce putain de clown. Ouais. Allez, les gars, merci beaucoup de croire en moi. Alina, tu es si méchante. Je ne te pardonnerai jamais. Tu vas me faire disparaître maintenant. Allez, disparaît, clown. Je disparais. Les gars, il y a un autre tour qui arrive. Aucun nouveau clown ne s'est encore présenté, mais nous avons quelque chose à lui offrir. Bon, c'est à moi de vous chercher maintenant. Eh bien, vous ne vous êtes pas caché, je comprends pas. Vous savez quoi? Pourquoi c'est toujours nous qui nous cachons, hein? Ouais! C'est déjà la deuxième partie de cache-cache avec des clones stupides! Et vous, les petits gars, vous pouvez pas vous cacher un peu? Et vous ne pouvez même pas vous cacher! Vous savez que chercher! Essayez de vous cacher! Ok, je ne comprends pas là! On est mauvais, nous! On peut se cacher aussi! Nous nous cachons, vous ne pourrez pas nous trouver! Essayez de nous trouver! Ok, on va le trouver! D'accord, d'accord, pas de problème! Mais je ne comprends pas où on disparu, les autres clowns, vous étiez 3. Et qui a dit qu'il avait disparu? Alors, nous allons nous cacher. D'accord, et nous on compte. 1, 2... Pourquoi vous sortez pas d'ici, hein? Ah. Ouais, merci l'opérateur. D'accord, nous allons compter à l'extérieur. Nous allons compter jusqu'à 100. C'est bon, allons nous cacher. Ouais. Et cachez-vous bien, qu'ils ne nous retrouvent pas. Ah, ma couleur préférée est le jaune, tu ne me laisses jamais tomber. Je vais me cacher ici. Ah, j'ai choisi un bel endroit. Je vais montrer à tout le monde comment se cacher. Je vais me cacher là. Ils vont tous se dire que c'est bête de me chercher tout près de la cage. Je suis caché. Ok les gars, je choisis cette boîte parce qu'elle est grande et confortable. Alors, ça y est, je me cache. C'est bon, je suis bien là. Les gars, on a un plan. On va trouver ces clowns maintenant, les mettre en prison et les attacher pour de bon. Et après, on pourra s'échapper. C'est ça? Ouais! Oui, les gars! Oui, les gars! Alors, allons-y. Allons, on y va. 1, 2, courez! Allons-y! Les gars, pour que tout soit juste, nous avons tous les 4 droit à 10 essais, mais pour tout le monde. En 40 essais, nous les aurons tous. Cherchons-les. Vous entendez ça? Ils sont déjà là. Bruno, regarde d'abord. Ok les gars, nous avons 10 essais. Moi, j'ai 3 essais, 2 et demi en fait. Je vais donc tenter ma chance pour trouver le plus de clowns possible. J'ai entendu l'un de ces clowns parler dans le coin en fait. Oui. Ah, zut. Les gars, moi un essai et 0 clown quoi. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle. Il ne reste plus que 3 clowns. Bon, on passe à la boîte suivante.
Hey, qui est là? L'astronaute ou l'agent de sécurité? Ou le chien? Hey! Il n'y a personne! D'accord! Je t'ai eu! C'est ça, allez! Lâchez-moi! Allez! Allez, monte! Je suis attaché! Oh non! Mes amis, sauvez-vous! Et maintenant, c'est à moi de chercher! Tu penses que dans cette boîte? Je pense que c'est vide ici. Il y a une aura froide. C'est une sorcière! Et là? Les sons de la nature disent qu'il faut l'ouvrir. Allez! Alors, il y a quelqu'un ou pas? Il y en a! Mais pas ici. Et Alina, t'as dit qu'il y avait quelqu'un ici. Mais il n'y avait personne là-dedans. Alors c'est toi qui l'ouvre au moins. Tu penses que je vais te le dire? Peut-être que je suis plus intéressée à l'ouvrir moi-même. Les gars, Alina veut que je perde. C'est à moi de deviner maintenant. Alors? Choisis une autre. Une autre? Non, c'est comme tu veux, je veux bien l'autre moi. Encore? Les gars, c'est une boîte vide. Comme dans sa tête. On a déjà perdu 4 essais. Où se cachent tes amis? Je ne sais pas. Ils sont si intelligents, ils savent se cacher, contrairement à toi. D'accord, laissons quelqu'un d'autre chercher. Les gars, j'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai vu deux couleurs, deux pilules, une rouge et une bleue. Essayons donc de trouver la première pilule bleue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, mais je pense qu'il ferait mieux de sortir d'ici rapidement. Oups. Personne. Alors, comme je n'ai pas de chance, je pense que la prochaine boîte sera certainement avec un clown. Safik, Safik, t'entends ça? Il y a un battement de cœur juste là. Des battements? Des battements, oui. Safik, aide-moi à soulever cette boîte. Allez, c'est parti. À deux. Deux. D'accord. Oh, mon instant m'a lâché. Safik, t'es mon seul espoir. Hein? Moi? Quatre essais, Safik. Tu as quatre essais. Allez, allez. Ok les gars, je choisis cette boîte parce que ma montre indique que c'est cette boîte là en fait, et ouais. C'est celle que tu veux choisir? Ah ouais, celui là. T'es sûr que tu veux choisir cette boîte là, baby? Cette boîte là, c'est sûr. Et tu es sûr qu'il y a quelqu'un dans cette boîte là? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans celle-ci. Ou peut-être qu'il n'y a vraiment personne. Écoutons un peu. On n'entend rien en fait là-dedans. Mais Safik, je te dis qu'il n'y a personne ici. D'accord, allez, on se casse. Ouais. Oui, Willy. Je le tiens, oh, je le tiens, regarde. C'est ça, on y va en prison. Bonjour. Ça alors. Tu ne t'es pas bien caché. Moi, j'avais la meilleure boîte, mais ils m'ont retrouvé, ces salauds. Ah, ils sont malins. Allez, filez-moi un moment, je vais les attacher maintenant. C'est ça, allez. Tu as les mains attachées ou quoi? Oui, tout comme toi. Comment on va sortir d'ici maintenant? Quoi faire maintenant? Est-ce que ça fait du bien d'être en cage? Non, c'est pas agréable du tout. Pourquoi suis-je derrière les barreaux? Je dois garder cette cage. T'es ici pour découvrir que ce n'est pas agréable du tout d'être assis ici. Pas du tout agréable. Bon alors, maintenant on va essayer et on va taper toutes les boîtes comme des débiles. C'est parti, je sais où il est déjà maintenant. Combien d'essais nous restent? Vous n'y réussirez pas. Ouais. Les gars, je vais assommer cette boîte rouge avec un coup de poing super spécial. Et le clown tombera instantanément, il n'aura même pas besoin d'être attaché, ouais. Hé, le clown! On dirait qu'il est complètement écrasé. Disparu. Regardez dans une autre boîte. Et les gars, faisons semblant d'être des clowns et attirons le dernier clown. Tu as clown? Safik, je ne pense pas que cela va nous aider. Prenons une boîte au hasard. D'accord. Celle-là, par exemple. Ou celle-là. C'est Harry Schneff avec vous, et avec moi aujourd'hui il y a... William Bruno. Dan Schwartz. Ça fait 4-3-4. Et les gars, nous devons être le plus silencieux possible, car nous sommes dans un centre commercial, la nuit. Et nous sommes pas venus ici pour rien. On doit entrer dans le parc de trampoline. Alors allons-y rapidement. Il faut être le plus silencieux. Dan Schwartz.
Les gars, Dan Schmaltz est toujours le plus négligent possible. Bon, silence, entrons maintenant. Attention, lève-toi, allez, vas-y. Les gars. Punaise, il y a un garde ici. Soyons le plus silencieux possible, car si nous réveillons le gardien, il va nous choper tout de suite. Allons là-bas, vers l'entrée, on s'en fout de ce gardien, allez, laissons-le le laisser dormir, c'est tout. Les gars, c'est trop cool, vous y croyez? Nous sommes dans un parc de trampolines fermé. Les gars, il n'y a qu'un moyen de passer, vous voyez? C'est fermé, il faut la carte d'accès, c'est le gardien qui l'a, vas-y, on y va. Les gars, je ne sais pas comment Dan l'a fait, il faut vraiment que vous mettiez une carte clé ici. Nous avons lu qu'il y a un détecteur ici, si vous n'ouvrez pas cette porte avec la carte clé, l'alarme se déclenche. On y va. Les gars, la porte s'est ouverte, courons vite maintenant. Assurez-vous que le garde ne se réveille pas, parce qu'alors nous sommes... Vous vous rendez compte qu'on est dans un parc de trampolines la nuit et qu'il est à notre disposition entièrement. Les gars, on est plutôt dans un parc d'attractions familiales appelé Slap Tour. Vous pouvez venir ici et suivre nos pas, quoi. Mais faites-le pendant la journée, c'est interdit de venir ici la nuit. La sécurité est super forte ici. Les gars, regardez toutes ces sucreries. Il y a des biscuits, des bonbons, du café aussi. Allez, servez-vous. Bruno, t'es fou ou quoi? Il y a un agent de sécurité et ce n'est pas bien de prendre les affaires c'est des autres. C'est vrai, Artyom. J'oublie toujours que c'est mal de voler. Comment ne pas voler quand on voit à quel point la glace est bonne? Pourtant, ce n'est pas à nous. En fait, je suis d'accord avec Artyom. Ce n'est pas bien de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Si tu penses que voler, c'est mal aussi, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et si vous n'avez jamais rien volé de votre vie, abonnez-vous à la chaîne, parce que c'est une chaîne de gens honnêtes. Ça fique, viens, allez, on va jouer, on s'amuse. Attends, Dan Schmaltz, où vas-tu? Tu dois enlever tes chaussures ici. Nous sommes des gens plutôt honnêtes partout. Excuse-moi, s'il vous plaît, en chaussettes, comme il se doit. On est des gens éduqués, hein. On fait pas de bêtises ici. Les gars, on va faire la fête maintenant, ouais. Elle a l'air un petit peu pour les trop petits quand même, là. Je vais essayer de m'asseoir, elle est toujours le fond. Allez, on va essayer d'aller ailleurs. Les gars, il y a un gardien à l'entrée. J'ai acheté les costumes spécialement pour ça. Je suis en rouge. Allez, je veux du rouge. Allez. Repartissez-vous par couleur. Attends, Bruno. Du coup, si le garde vient ici, on n'a que à mettre ses tenues de camouflage et on pourra se cacher du garde. Bien sûr, regarde, Artyom. Tu auras une combinaison jaune, tu seras tout jaune. Et s'il y a quoi que ce soit, tu n'as qu'à sauter ici. On ne voit pas du jaune sur le jaune. Personne ne te trouvera et les flics ne t'arrêteront pas. Les gars, c'est génial, mais s'il vous plaît, ne marchez pas dessus, hein, je suis allongé là. Dan Schmaltz est vraiment allongé et on le voit à peine, sa chemise est rouge, son pantalon est également rouge, même le bracelet de sa montre est aussi rouge. Je vais aller sur ce volcan. Regardez-le, on dirait Spider-Man. Oui, Dan Schmaltz, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? S'il nous entend, c'est fini pour nous, on est foutus. Non, écoute, Bruno a raison, Safik. Si on crie trop fort, le gardien va se réveiller et va venir ici, c'est sûr. Même d'ici, je peux l'entendre ronfler. Bon, d'accord, les gars, je suis désolé, je savais pas que je criais super fort, quoi. Safik, baisse d'un ton, s'il te plaît. Parce que vraiment, mais nous, t'as vu ce gardien? Non, vraiment, c'est très cool. Vous vous moquez de moi? Vous vous rendez compte qu'il dort là-bas et qu'il peut arriver à n'importe quel moment? Les gars, j'ai une idée géniale! Je vais relever un challenge super cool, quoi! J'ai trouvé cette piste d'obstacles, regardez! Et je veux que nous la parcourions tous les quatre jusqu'à la ligne d'arrivée! Et je suis vraiment comme... Hop, plus loin! Hop, et plus loin! Et donc... En tout cas, ce n'est pas facile de passer! Et celui qui passe en premier a le droit de tirer dans les fesses des perdants avec son putain de canon, ouais! Celui-là? Celui qui tire... Ah, ce canon tire de l'air.
Dunschmalz, Keller, regarde! Là! Je crois que c'est la première manche et je le passe en premier! En même temps, on va voir ce que ça donne! 3, 2, 1, allons-y! Safik, okay. Vas-y, c'est toi le champion! Merci! C'est très loin, il faut que ce soit comme ça! Wow. Wow. Ah, je wow. suis pas tombé! D'accord, maintenant la roue qui tourne! Tout le monde espérait, sa fille. Comment il a pu tomber comme ça? Je crains que nous allons tous tomber sur cette orange et nous allons nous faire mal aux fesses. Très bien, les gars, c'est à moi de le faire maintenant. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Ok, hop. Mes jambes sont longues et je peux atteindre ça. Hop, hop. Je comprends pourquoi Safik est tombé. Ça a l'air d'être une chose sur laquelle on peut vraiment tomber. Attention aux oranges seulement. Elles sont super glissantes. Je suis tombé de la même manière que lui. Les gars, c'est vraiment impossible de passer ces oranges. Elles sont trop loin. Ok, Dennis, maintenant, tout espoir est pour toi. Ne glisse pas sur les oranges. Je vais pas passer juste comme ça. Je vais passer en sautant comme une grenouille. Je me suis trouvé rapidement aux oranges. C'est mon tour maintenant. Bon, quelques tactiques de Dennis, quelques tactiques de Safik. Je saute sur la tomate. Oh, voilà la partie qui fait peur. Hop. Oh. Oh, il a réussi. Ouf. Je vais par ici, sur cette mandarine. Oh mince, encore un peu et je vais toucher le sol. C'est déjà un territoire inconnu. Hop. Oh. Il faut que j'aille sur ce trampoline. Oh. Oui, William, Bruno, William, Bruno, William, Bruno, William, Bruno. Je suis ton fan. J'ai réussi. Il a dit à sa fille qu'il sautait comme un petit singe, alors que lui-même, il est comme un petit singe. Il a réussi à passer cette piste d'obstacle du premier coup. William Bruno, il est super bon, mais il va me tirer maintenant dans mon putain de gros cul. Ok, vous êtes prêts, les gars? Mais pas trop fort, d'accord? Ah! Ah! Boum! Aïe, oui, ça fait mal. Ah mais tu vas y arriver, tu tombes toujours au bon endroit. Les gars, c'est le temps de voir enfin ce que ce centre de trampoline a à offrir quand il n'y a personne ici pendant la nuit. Allez. Malgré le fait que je sois déjà un peu, pas petit, ni de ma taille, ni dans mon âge, j'aime beaucoup cet endroit. Il y a tellement d'espace ici. Pas question. On a atteint le plafond. Oh, c'est pas vrai, j'y vais. Voilà, où allons-nous maintenant? C'est super cool, on peut se cacher tellement bien des gardiens ici. Il ne nous trouvera jamais de sa vie, c'est sûr. On peut voir tout le parc d'ici, regardez, il y a les garçons qui s'amusent. Donne-moi la caméra. Oh. Regardez comme c'est cool. On peut descendre ici comme dans un vrai aquapark. J'ai déjà repéré ce truc là. Elle m'emmènera vers le bas. Ouais, la vache, Et maintenant je vais vous montrer ce que j'aime le plus dans ce parc d'attractions. Le saut à l'élastique. Les gars, je pense que ce qu'il y a de plus cool dans ce parc d'attractions, ce sont ces... trampoline! Wow. Mais honnêtement, c'est l'un des attractions les plus dangereux ici. Mais si tu es un véritable ninja, tout ira bien avec toi. Écoute, je jouerai bien à cache-cache camouflé maintenant. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. On devrait aller chercher les gars, mettre ses costumes et commencer à se cacher les uns des autres. Parce que je pense que ça va être très amusant. Mettons-les maintenant et commençons à faire du cache-cache camouflé au parc de trampoline au milieu de la nuit. C'est tout. Il ne reste plus qu'à décider qui va chercher les autres. Safik cherche toujours. Il est très doué. Les gars, j'ai échangé avec Dunschmalz parce que la combinaison, elle était un peu trop petite, quoi. Vraiment trop petite. Ok, Safik, si tu veux chercher, laisse Schmalz, Bruno et moi nous cacher et tu essayeras de nous trouver. J'ai pas dit que je voulais les chercher, quoi. Si cette vidéo obtient 100 000 likes, la deuxième partie du cache-cache camouflage sera publiée immédiatement. C'est tout, les gars, courez vous cacher. Ok, les gars, je vais me cacher dans le meilleur endroit possible. Peut-être par ici, par là. Attends, je pourrais me mettre... Oh là là, ça a l'air bien, ça.
je vais mettre dedans. Quoique... Ici, ça a l'air bien. Dans ce costume, je vois rien du tout, rien du tout. Oh, ça, c'est bleu. Regarde, je suis bleu, c'est en bleu, on va pas me voir. Les gars, c'est moi, William Bruno. Pendant que... ça fait compte, je dois rapidement me cacher et trouver surtout le vert. Pour être du vert sur vert. Et j'ai déjà un plan. Hop. Bon sang, c'est comme si une araignée avait tissé tout ça. Je m'y emmêlerai moi-même et ne sortirai plus jamais. Je suis dans la zone verte. Je dois être le moins visible possible ici. Je suis vraiment très proche de sa fille qui se tient juste près de moi. J'ai une idée. Je vais descendre cet élastique et sauter dans un énorme tas de cubes colorés au milieu. Il y a beaucoup de cubes jaunes, donc il ne pourra pas me trouver à 100%. Les gars, regardez, on ne me voit pas du tout derrière ces balles. Je suis vraiment bien caché. Je commence à chercher. Qui ne s'est pas caché, ce n'est pas de ma faute. Mais il y a tellement de choses ici que je ne sais même pas regarder. Mais si on réfléchit bien, Arthur était bleu, Bruno était vert et Dan Schwartz était... je crois qu'il était violet, ouais. Alors maintenant, je sais pas où est-ce qu'il est la violette. Qu'il y a cet immeuble à 100%, c'est sûr. Parce que les gars, il y a beaucoup d'endroits où on peut se cacher, quoi. Mais les gars, j'ai trop la flemme pour y monter là-haut. Alors, je vais d'abord sauter à l'élastique. Il faut le monter toutes les minutes parce que c'est vraiment super cool. C'est le genre de corde élastique qu'on ne peut trouver qu'ici et pas ailleurs. Nous voulons en faire en un studio parce que c'est vraiment cool et je le ferai le matin, l'après-midi et le soir. Allez, ok les gars, on doit descendre maintenant. Allez. Ouais. Ouh. Les gars, c'est ouf, j'ai failli me faire choper. Oh, j'aime beaucoup cet endroit les gars, c'est amusant. Ouais, c'est cool. Et... c'est n'importe quoi. Comment il est arrivé ici là? D'accord, je pense qu'il y a quelqu'un dans ses pastèques ou ses fraises, c'est sûr. Ou juste le vent, on va voir. Allez. Bon, c'est le genre de choses à travers lesquelles on peut tomber. Faut faire attention. J'espère que je n'ai pas encore passé en personne au camouflage, les gars. Il est possible d'aller en blanc, comme ça, ou contre le poteau, comme ça. Ouais, je n'ai pas remarqué comme ça, parce que je vous reparle. Les gars, j'ai failli me faire choper par Safik. Alors il faut que j'aille me cacher autre part immédiatement. J'ai déjà repéré un endroit. Venez avec moi. On voit déjà qu'il y a des trampolines comme ça. Je vais m'allonger comme ça en espérant que Safik ne me verra pas. J'espère que les gars respectent les règles et ne se cachent pas dans la zone verte. Wow, regarde. Bah, essaye de m'attraper. C'est William Bruno. Les gars, il est vraiment comme une araignée dans un filet, comment il est tombé là-dedans? C'est impossible. C'est impossible, Safik. Je crois que je l'ai senti et puis que j'ai trouvé. Je t'ai attrapé en quelque sorte. Tu veux dire que j'ai déjà perdu? Ouais. Zut, d'accord. Il nous reste plus qu'à trouver Dan Schmalz et Artyom Arishnev. Les gars, je vais encore me recacher. Il faut trouver Denis Schmalz. Il est quelque part par ici, j'en suis sûr. Il y a une autre sorte de labyrinthe ici, les gars. Wow. Silence. Yo, j'ai vu quelqu'un. Oh, tout est noir là. Oh, j'ai trouvé une sortie. Je me suis retrouvé de l'autre côté de cette construction. Voyons ce truc là. Les gars, il y a beaucoup d'étages, beaucoup de niveaux. Vraiment, c'est super grand. Ouais, William Bruno, qu'est-ce que tu fais là? D'accord, les gens. Alors allons là-bas comme nous l'avions prévu. Je crois qu'il y a quelqu'un juste là-bas. Il y a quelqu'un ici? Où est-ce qu'il faut grimper? En haut, en bas, à droite, à gauche. C'est quand même cool de grimper juste ici, vraiment. Alors, il y a quelqu'un là-bas? Non. On lui répondra pas. Comme ça, il n'y avait personne ici non plus. Les gars, allons-y rapidement. Allez, c'est parti. Suivez-moi, allez, venez. Le plus important, c'est de ne pas faire de bruit et d'être prudent. Je ne vois personne. Nous avons entendu Dan Schmalz quelque part par ici. Le plus important dans le jeu de cache-cache, c'est d'être attentif. Allez, on bouge. Il s'est peut-être caché juste là, car nous sommes déjà arrivés au bout du village de jeu. Et il n'y a personne. Les gars, je crois que je sais où il est. Il est ici, au-dessus de moi. Wow. Bizarre les gars, mon intuition ne m'a jamais fait défaut. Les gars, il faut qu'on sorte d'ici d'une façon ou d'une autre. Je pense que le meilleur moyen de sortir d'ici est de venir en arrière, parce que je me suis déjà perdu ici. Attends, attends. Ne bougez plus, ne bougez plus. Mais comment as-tu su que c'était moi? Je savais qu'il fallait pas que je bouge dans ce truc à la cour. Tu n'aurais pas dû te cacher là, derrière moi. J'ai déjà trouvé William Bruno et Dan Schwartz, bon sang et bonsoir. Il ne reste plus qu'à trouver Arthur Maristev. J'ai souvent oublié sa couleur. Je pense qu'ils échangent leurs costumes en cours de jeu entre eux. En général, les gars...
joue souvent de manière injuste, comme si on ne pouvait pas changer le costume. Mais nous n'en avons pas parlé. Ce n'est pas une règle. Soit quelqu'un s'assoit sur les cubes, les gars, je viens d'y penser. Soit quelqu'un est assis, sûrement dans les toilettes. On peut s'enfermer dans une cabine, mais ce n'est pas injuste non plus. Mais dans les cubes, attention, là il faut vérifier. Artyom, sors! C'est tellement fatigant de marcher dans ce truc de merde! Je pense pas qu'Artyom pourrait être entré là-dedans! Et si on sortait d'ici? Je crois qu'Artyom a changé son costume avec William Bruno! Ouais! Ah! 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 Où est-ce que je m'en passe? Où est ma clé? Nom de Dieu! Quelqu'un est rentré ici. Qu'est-ce que c'est ça? Y'a personne ici? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ils sont trois. On va les choper. Mais vous êtes cachés où? Eh bien les gars, je vous ai tous su, ouais. Bon les gars, voilà le garde. Il a dû nous remarquer quand nous avons crié si fort et s'est réveillé. Courez! Alors, au courir! Cachez-vous! On recommence à jouer à cache-cache, mais cette fois-ci, c'est sérieux! Ok, maintenant, allons-y vite! Heureusement que je suis en verre! Il n'y a presque que du verre ici! J'espère que le gardien me repérera pas! Ok, les gars, il faut qu'on se cache quelque part tout de suite! Pourquoi pas le volcan ou la cachette royale sous le tabagon? Bon sang, c'est vraiment inconfortable ici! On me voit pas ici! J'espère que vous me voyez pas non plus! Mince! Oh, il faut trouver notre endroit vite, 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 les gars! Le gardien arrive! Le gardien arrive! Les gars, moi je suis rouge, on ne voit pas du tout dans le trampoline! Je vais donc me cacher sous le trampoline! Allez, assez parlé, il arrive! Les gars, j'ai grimpé sur une construction comme ça! Montre, montre, éloigne-toi! Et je vais prétendre être une statue pour que le gardien ne me voit pas à 100%! Ok, il fait noir dans ce labyrinthe et personne n'a me trouvé. Je vais mettre ici, j'espère qu'il va pas me trouver. Ça a l'air bien. Oh non, non, non. Ah, il va me mettre en prison, faut que je trouve un autre endroit. Non. Alors, il peut pas savoir. Oh. Peut-être qu'ici c'est en sécurité. Allez, je me suis caché. Ah, mais où ils sont? Ah, mais ils sont passés par ici. Mais ouf, c'est des jeux, c'est comme une ville ici. Je pourrais passer une semaine à me promener ici. Mais ils sont où, ces chenapans, ces canailles? Mais ici, mais c'est pas possible, j'arrive pas à les trouver. Mais pas ici, non? Tonnerre de Brest. Oh, le gardien, vient par là! Mais mince alors, comment, c'est quoi ça? Il est juste là-bas. Mais c'est quoi ce Beans? Il revient, il revient! Je me déplace un peu. Hop. Mais qu'est-ce que c'est? Zut, le voilà encore. Allez, allez, finis de jouer, sortez maintenant. Nom de Dieu. Vous avez vu comment il est passé juste à côté de moi? Il m'a presque remarqué. Je me suis pas du tout caché dans ma couleur, mais j'ai pris la pose d'une statue comme ça et j'ai semblé passer inaperçu. L'essentiel, c'est qu'il n'ait trouvé personne et que nous ayons pu nous échapper de ce parc de trampoline. Ah ah. Mon mars. C'est toujours sur moi que ça tombe, ça, hein? Allez, sortez, je vous ferai rien du tout. Allez, juste, sortez. Il était juste là. Il est passé juste devant moi. C'est tellement bien qu'on ne me voit pas. Oh, comment c'est possible? Mais où vous êtes? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Y'a personne? Alors... Voilà, ici. Mais vous êtes où tous? Signalez-vous! Y'a du monde? Signalez-vous tous, sinon j'éteins la lumière. Oh, la galère. Alors. De toute façon, je vais vous trouver. Oh, comment il a l'air vivant. S'ils sont tous comme ça, je vais les trouver. Alors. Les gars, vous avez vu ça? Il a juste fait attention à moi, mais il ne m'a pas remarqué. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais. Oh, le bordel.
Hein, mais c'est quoi cette histoire? Il y a deux secondes, il n'y a plus de statue. Mais c'est quoi? Mais au final, c'est quoi? C'est un jeu? Les gars, j'ai échappé de justesse à ce garde. Il est bizarre, il ne m'a pas remarqué du tout. Le plus important est de changer de cachette. Il y a beaucoup de vert ici, mais presque pas de jaune. J'arrive pas à y croire. Je vais alors me cacher dans ce truc-là. Je crois que même si le gardien me verra, il ne pourra pas y grimper là-haut. Je grimpe. C'est tout les gars, je vais m'allonger sur le truc jaune comme ça et il ne me verra pas, c'est sûr. Et même s'il me remarque, je vais vite me cacher à nouveau. Bah. Les gars, je vais faire une farce au gardien. Mais c'est quoi ce bazar? Mais c'est quoi ça? Qui est là? Mais vous êtes tous. Allez, dénoncez-vous. Mais il n'y a personne ici. Et je trouverai sûrement personne ici. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que c'est? Qui est ici? Allez, sortez! Arrêtez de vous moquer de moi comme ça! On est des humains quand même! Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce travail que j'ai choisi? Les gars, vous avez vu comment j'ai fait tomber sa casquette? Il va 100% devenir fou à un moment donné et 100% il va avoir peur et il va s'enfuir d'ici. Les gars, il faut qu'on se dépêche de se cacher parce qu'on n'est plus en sécurité dehors. Voilà, c'est fait. Les gars, j'en ai marre de rester ici assis. Le gardien est de l'autre côté du parc de toute façon. Alors les gars, il faut que je me déplace vite fait en urgence. Je crois que le centre de ce courrier est rouge, génial. Les gars, c'est un gros matelas tout rouge. Laissez-moi m'allonger dessus comme ça. Oh. Mais je rêve ou quoi? Qui est là? Non, moi c'est bon pour moi. Cet endroit étant hanté, j'ai peur. C'est l'œuvre du diable. Quoi, c'est hanté ou quoi? J'en ai marre, je donne ma démission. Je me casse. Les gars, c'est où? Vous avez vu comment le gardien, il s'est enfui? Je l'ai juste entendu nous dire mince tout le temps. Et c'est tout, il a disparu à l'horizon. Mais quoi, je crois que c'est quand je lui ai attrapé la jambe que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Les gars, si vous arrivez à mettre 100 000 likes sur cette vidéo, nous ferions une deuxième partie du cache-cache en camouflage au parc de trampoline. Et maintenant, regardez ce champ ici, les gars. Schmaltz veut que vous le regardiez aussi, alors il va pointer son doigt là. Pointez-le! Appuie là, vas-y!